You got to pop it up. 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 You got to pump it up. You got to pop it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up You got to pump it up, don't you know, pump it up You got to pump it up, don't you know, pump it up You got to pump it up, don't you know You got to pump it up All right, let's see <music> what we're doing qui met un petit moment à arriver. Bon, je vois qu'il y a quelques malades. Je vous souhaite bienvenue dans l'univers de Omicron ou pas Omicron. J'espère que vous n'aurez pas trop de symptômes pourris comme moi. Je vous le... je vous le conseille pas, c'est pas terrible, c'est surfait. Ouais, mais je. Je, je, je diffuserai euh, Monsieur, euh, monsieur Sévi. Ceci dit, du son plus propre. Du son plus propre, il y en a. Mais là, on va essayer de, de faire quelque chose de, de mixé avec. On a une, une meilleure caméra qui a filmé le concert. On essaiera de fournir ça. Mais sur le YouTube, on a du, du, du mix un peu plus propre qu'on a, euh, qu a fait au local. Le temps que je te retrouve ça. Hop. Ça va bien en ce début de semaine, tout le monde donc moi, la semaine, a, malgré le mal au dos, a plutôt bien terminé. Je suis allé... Hop Je suis allé euh, vers Amberieux, si vous voulez tout savoir, faire ce concert. C'était pas gagné au début, puisque quand on y arrivait, est arrivé, c'est Dans une zone commerciale, un bar euh, qui sert aussi à bouffer aussi. Et puis... Euh, ça fait déjà quelques temps. Ils ont monté un, un très très grand chapiteau collé au truc où ils organisent des concerts. La, la scène est vraiment super sympa. Enfin le, le, l'espace est bien foutu. Mais là, il faisait un degré. Et quand on est arrivé, ben pour des raisons de, de, de comment, pour des raisons sanitaires, hein, c'était grand ouvert pour aérer jusqu'au dernier moment. Donc on a monté, fait les balances. Ils ont fermé juste avant qu'on fasse les balances sans, sans mettre tout de suite le, le système de chauffage. Ça a quand même un peu piqué, mais le système de soufflant. A, a fait que la température était plus que normale après. Je m'étais même trop habillé sur scène, j'ai crevé de chaud, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je, ouais, je te passais le lien, Sébille, parce qu'il y a 2-3 titres qu'on a à peu près mixés, là, qui sont quand même, euh, au niveau sonore, un peu plus écoutables. Mais ouais, il ouais, y en aura d'autres. On va continuer. On va y retourner d'ailleurs à cet endroit, je crois, au mois de février. On verra. On verra ce que ça donne. Donc voilà, moi, j'ai fini la semaine comme ça. Et puis, ben, on va, comme vous, on va l'attaquer. Euh... On a attaqué le boulot. Et puis, euh, bon, j'ai pas mal de petites choses là, que je voulais essayer. Mais je, suis, je suis un peu déçu en ce moment. Hein. J'ai pas mal de trucs là, avec la... C'est une Arduino MKR 1010 euh, qui a euh, deux intérêts pour moi. Le premier, c'est euh, d'être euh, la carte qu'il me faut pour piloter hop, ce shield qui est un shield Dynamic Cell. Dynamic Cell, c'est... Le fabricant de ces petits servomoteurs numériques que j'avais sur mon petit robot humanoïde Darwin Mini et que j'avais mis sur un metabot, qui est une espèce d'araignée à quatre pattes, et je voulais me faire du code spécifique et tout, et euh, bah, j'avais acheté ce shield. Et quand je le branche, tout ce que j'arrive à faire avec, c'est, il euh, y a des LED de contrôle euh, sur les différents servomoteurs, ça, ça marche. Mais alors tout ce qui est euh Contrôle de position et autres, j'ai pour l'instant pas réussi à faire fonctionner. Je comprends pas, j'utilise librairie de base, j'ai encore rien fait de super compliqué. Et ça ne marche pas, et euh, contrairement à Konduno, non, c'est pas les vacances, mais je te souhaite de bonnes vacances, profites-en bien. C'est, euh, j'imagine, lié euh, aux fermetures de toutes les usines là, en ce moment avec le, le nouvel an chinois. Donc voilà, et ce MKR, j'ai voulu l'utiliser alors avec TinyGo, euh, elle fonctionne, mais la partie Wi-Fi que j'ai voulu tester, là, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc, je suis en train de discuter dans le Slack de Tainigo. On est en train de me donner des indications. Essayer de voir si j'arrive à en faire quelque chose. Euh, j'ai fait pas mal de Tainigo, en fait, ce, ce week-end, après la récupération du concert. Euh, alors, je ne sais même plus. Voilà, j'avais préparé. Où est-ce que j'en avais fait Ah oui, c'est là. On va tout de suite commencer avec le truc trop la classe hein, maintenant qu'on a des, des systèmes qui parlent et qui causent et qui mettent des messages. Donc je vais vous mettre le lien hop, dans le chat si vous voulez nous rejoindre sur le Discord pour papoter de tout ce qu'on fait ici euh, pendant les émissions ou euh, quand je fais des lives le soir. Je, je vais sûrement, je vais essayer en tout cas ce soir de refaire comme la semaine dernière, de faire un petit. Euh, un petit live coding, ça avait plu à, à certains, donc on va tenter. Euh, sûrement lié, euh, alors ça sera du Go a priori, lié à mes petits projets, euh, vous savez, co euh, que j'ai fait en, en version Go, euh, et moi c'est Dino-Says, comme ça on a un Dino qui parle dans le terminal. Je vous ai montré là où j'en étais avec la version de base en CLI, et euh, je voulais faire une CLI un peu plus interactive, et surtout qui allait piocher, par exemple, euh, aléatoirement sur un serveur où il y aurait des phrases préenregistrées avec une petite API, histoire de monter à côté. Un petit serveur euh, reste, avec une API reste. Et on, suite à une petite discussion ce matin sur Twitter avec Benjamin, qui a, qui a eu des petites galères avec le pourtant super article d'Aurélie. Je vais refaire en, en live l'article qui permet de faire ce, ce petit bout de, de, de serveur d'API, euh, avec Go, avec Swagger, si ça vous parle, ou pas d'ailleurs. On essaiera de refaire ça ce soir en live. Ouais, ouais, je vais essayer de faire du live code. Euh, oui, je ne sais pas si je suis sponsorisé par, par Mastercard et Visa. Une, qui n'hésite pas, hein, je suis parfaitement achetable, bien entendu. <laughs> non, je déconne. Euh, hop, on va couper ça. On va tout de suite démarrer avec, euh, alors que je prépare mon premier lien évidemment ah bah ça vous l'envoie comme ça c'est super c'était pas celui là que je voulais faire ça n'est pas grave euh, on va basculer là dessus j'ai euh, aujourd'hui euh, donc comme mes, mes démos un peu matos là je savais pas trop quoi vous montrer euh, j'avais quand même pas mal de stock euh, j'ai eu beaucoup de, de tweets que j'ai mis de côté qui m'intéressaient et que je voulais partager avec vous et là un des tout derniers c'est euh, Olivier qui a partagé un OS que je ne connaissais pas qui s'appelle Ericss. Hop, Donc, il y a le lien dans le tweet, hein, vous pourrez basculer dessus. Ericss OS qui cherche à avoir, euh, on va dire, le côté euh, essentiellement UI et puis même ça va jusqu'aux façons de, de, de coder ou d'installer les applications de, de macOS, mais sur une base euh, plus libre, hein, sur une base FreeBSD. Donc euh, je vais sûrement me faire un petit essai, alors peut-être une VM, mais j'aurais voulu le... savoir si ça fonctionnait sur, euh, sur Raspberry. Je n'ai pas trouvé si les FreeBSD tournaient sur les Raspberry. Donc euh, je, je me ferai des essais, je suis curieux de voir comment ça marche. Euh... On va peut-être zoomer un peu, mais je pense que c'est quand même assez visible là, ouais. Euh, le côté euh, récupérer le clean design de macOS, moi qui est un truc que j'aime bien. Pour bon, le côté menu, le côté simple install, Zach, je suis curieux de voir où il propose de faire comme sur macOS où on... On fait un drag and drop de ce qu'on a téléchargé dans le folder application, il e roule. Euh, plus rigolo, c'est qu'ils ont visiblement les API Cocoa, donc faut voir ce que ça donne. Et puis euh, une partie des API euh, pour faire un, utiliser par exemple le open, qui est une commande qu'on utilise sous macOS quand on est dans le terminal, donc faut voir, faut voir ce que ça donne. Mais euh, voilà, leur site web était euh, était tout joli, tout beau. Euh, je me suis dit que ça valait le coup de jeter un œil. Et puis bah, je creuserai, puis je vous tiendrai au courant bien sûr. Savoir si on peut euh, l'utiliser sur, un, sur une Raspberry. J'ai fait un peu de ménage ce week-end, aux surprises. Euh, j'ai retrouvé évidemment plein de cartes. Là, j'ai aussi... Tiens, je ne vous pas montré. Voilà, je me suis racheté euh, pendant les vacances de nouvel an une espèce de petite mallette qui va me permettre de stocker un peu les, les projets et les cartes de manière un peu plus propre que ce que j'avais jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais une mallette qui était trop petite compliqué à ranger. Euh, oui, oui, je ferai bien sûr une démo euh, si j'y arrive. Je ne sais pas exactement de quoi tu parles, je suppose de RXOS. Donc euh, oui, oui, oui. Euh, je veux voir la tête que ça. A. Euh, au pire, de toute façon, je pense que j'arriverai à le faire tourner dans une VM. Je vous ferai une démo de ça, il n'y a pas de souci. Je, je, voilà, je suis curieux de voir ce que ça donne. Et puis ça fait longtemps que je n'ai pas touché ni FreeBSD ni OpenBSD. Donc ça sera l'occasion de remettre dans les mains, dans ce genre de choses. Donc voilà, voilà. Euh, L'autre truc, alors je ne sais pas il ouais, ouais, y a du son mais c'est pas très grave si, si vous n'avez pas le son euh, alors il y a plein de personnes qui l'ont partagé repartagé tout ça je vous le mets dans le chat c'est une astuce figurez-vous que, que je ne connaissais pas visiblement plein de gens euh, ne connaissaient pas tout comme moi à savoir quand euh, vous perdez votre dernière vie euh, au lieu d'appuyer sur start après le game over vous appuyez sur la touche a puis vous appuyez sur start et à, oh surprise, au lieu de redémarrer euh, au point de départ, vous redéparez sur le monde sur lequel vous avez perdu votre dernière vie. Ça vous évite de repartir du début. Donc pour info, j'ai pas réussi à le reproduire avec la... Où ce qu'elle est Toc, elle est ici. Avec la version sur la, la Game Watch. Ça, j'ai pas réussi à, à faire fonctionner le... le trick sans question. Parce que tu n'as pas la... la touche Start de la même façon. C'est implémenté différemment. Je ne je... Je sais pas. Peut-être qu'il y a moyen, mais moi j'ai pas réussi. Avec Game, là, tiens, je suis en train de laisser en live, je suis en train de repenser une combinaison. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça marche pas. Donc euh, à essayer dans les émulateurs, évidemment, hein, bien sûr. Eh bah, bien, écoute, Sébi, euh, tu faisais partie des rares personnes à connaître, mais évidemment, tu avais oublié. Ouais, d'accord. Donc autant dire, c'était retombé euh, dans, dans l'oubli. Euh, donc si vous êtes... Euh... Comme moi fan des, des, des Super Mario, euh, je, je me suis racheté la, la version Game Watch juste pour pouvoir me balader avec et euh, le plaisir de me faire un niveau, même si je connais tout le début par cœur. Euh, euh, C'est toujours aussi rigolo de se faire un petit Mario de temps en temps. Bah là, ça permet de, euh, voilà, de s'enchaîner un peu le truc euh, et de pas perdre trop de temps. Euh, dans les autres choses que je souhaitais partager avec vous, il y avait le petit clin d'œil qu'on a fait à Patrice qui est bien sûr toujours occupé au fin fond de sa pharmacie, mon pauvre. Je te souhaite tout bon courage. Que les gens ne soient pas trop pénibles avec toi. Tu fais partie de ces pharmaciens qui font leur boulot par passion et par amour de rendre service et d'être un lien santé. Bisous Patrice. Voilà, j'avais trouvé cette photo, moi, qui m'a beaucoup fait rigoler, qui m'avait fait penser à toi, Patrice. Euh, de quelqu'un qui a un bureau avec un... Un modèle réduit de train avec tout un circuit et toutes les commandes cachées sous le bureau. Enfin, pas cachées puisque le bureau est transparent, donc il peut le regarder tourner en même temps qu'il bosse. Enfin, il peut le regarder, on va dire. Et je trouvais ça super, super sympa. Salut euh, les productions de moi, j'imagine que c'est Lolo. Vas-y, installe-toi. On refera un petit tour, mais t'as rien raté. Si, t'as raté le petit. Euh, si, on va revenir dessus, c'était juste avant. J'ai rediffusé le, ce qui a circulé, l'astuce qui permet, de quand on perd sa dernière vie, de ne pas repartir à zéro dans Super Mario, à savoir appuyer sur A et réappuyer sur Start derrière. Ça permet de repartir sur le monde où tu viens de perdre ta dernière vie. Donc, euh, donc voilà, voilà, c'était la petite astuce que vous connaissiez peut-être. Ouais, c'est il y a 30 ans qu'on aurait voulu le savoir, ça c'est clair, c'est pas maintenant. <laughs> maintenant, il y a tellement d'astuces avec les émulateurs et autres pour repartir dans un état. Enfin bref. Et donc voilà, j'ai enchaîné sur un autre tweet. Je vous ai partagé plein de tweets aujourd'hui, puisque j'avais pas mal de petites actus qui traînaient. Et là, on va faire quand même quelques petites démos. Alors là, il y a beaucoup de gens qui l'ont effectivement tweeté. Je l'ai vu par plein de canaux arriver. C'est tout un ensemble à la fois d'applications et de librairies Go qui permettent de faire des. des... Alors, ils ont... Soit ils ont des applications déjà toutes prêtes, soit des librairies qui permettent de faire un certain nombre de choses, toujours dans le mode CLI. Donc ça ça sera aussi dans le live coding, peut-être pas aujourd'hui, mais euh, je vous mets le lien pour vous le partager, euh, pour avoir des choses un petit peu sympathiques sur votre terminal. Donc soit des choses toutes prêtes, soit voilà, il y a plusieurs librairies. Euh, je vais vous en montrer une, par exemple Bubble Tea qui est celle que je vais utiliser. Euh, évidemment, comme d'habitude, on va partir direct dans Gitpod. Pour vous montrer concrètement sans installer 12 000 trucs sur ma machine. Euh, J'ai trouvé que c'était très très joli ce qu'ils avaient fait. L'idée c'est d'avoir une interface dans la CLI. Alors on va aller direct dans le répertoire des exemples. On va aussi augmenter. Voilà. Je pense que là c'est suffisamment gros. Du coup on va faire une espèce de partage quand même. Euh alors, il y a le tutoriel aussi, mais on peut aller direct sur les exemples. Qu'est-ce que j'avais repéré qui n'était pas trop mal Qui ressemble au tuto, d'ailleurs. Alors, on a dit résulte. Donc, c'est ce genre de choses. Tac. Donc, je lance l'application. Donc là, ça, ça, ça met une... Donc, vous voyez, c'est une petite liste qui me propose euh, hein, de choisir entre Taro, coffee et Litchi. Donc, avec les, les flèches au bas, vous voyez que le petit point se déplace. Et quand j'ai choisi... Par exemple, là, je reste sur euh, Coffee, j'appuie sur la touche Entrée, et donc il sait derrière dans le programme que j'ai bien sélectionné Coffee. Donc ça permet d'avoir vraiment euh, comme des petits composants qu'on utiliserait dans une interface web, tout en restant euh, dans, une, euh, dans un petit outil de, de ligne de commande, et ça permet de faire des choses super riches. Salut Skrali, euh, tu tombes bien, tu arrives, on est en train de faire du Go, c'est magique, non J'ai parlé tout à l'heure de ton article, je vais essayer de faire du live coding, mais je t'ai prévenu sur, euh, sur Discord et sur, euh, sur Twitter. Et là, ouais, c'est la librairie euh, donc qui est issue là, de tout le site Charm. Hein, c'est la librairie Bubble Tea, qui permet de faire des super CLI, un peu comme euh, une librairie que j'aime beaucoup dans le monde Python, qui s'appelle Rich, euh, qui permet de faire des super trucs, euh, qui est basé sur la librairie. En fait, euh, non, c'est la librairie, c'est Rich. Et c'est textual, la librairie basée sur Rich qui permet de faire en Python euh, des interfaces complexes en ligne de commande. Et donc là, euh, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi qui est pas mal dans ce que j'ai regardé tout à l'heure dans les exemples. On a euh, bah le, ce genre de, de trucs. Euh, tuc tuc tuc, animated, voilà. On peut avoir euh, voilà, des, des progress bar un peu en couleur, un peu animé. Euh. Il ouais, y a pas mal de, de, de tweets et ils se, sont, ils se sont un peu propulsés dans l'actualité cette semaine là. Et vraiment je trouve que c'est super joli ce qu'ils font. Euh. Celui-ci, je crois, il est pas mal aussi, non voilà, Ça charge pas mal de trucs, celui-là, parce qu'il charge les livres et tout. Et ça permet vraiment d'enrichir. De, de, Alors moi, je vous avais montré l'autre fois mon petit euh, DinoSays euh, qui s'appuie sur une... Voilà, donc ça permet, là, par exemple, je peux faire défiler. Il y a plus de texte que ce qu'il y a dans le, la capacité qu'a le terminal de Gitpod, par exemple, là, qui a une certaine taille. Donc on peut, on peut naviguer. Après, il y a des trucs qui peuvent être plus interactifs. Enfin, je sais qu'il y a même une interaction souris qui est possible dans certains exemples. Et puis là, vous voyez, il y a un petit liseré bleu tout autour. Donc c'est assez sympa. On peut vraiment, vraiment, je trouve, faire des choses très jolies. Euh, je vais vous en montrer peut-être un dernier. Tiens, je suis pas, j'ai essayé ça. On va regarder ce qu'il fait. Do you mouse stuff and... Click ouais, to kit. Il faudrait peut-être que j'aille voir ce qu'il y a dans le code avant c'est pas ce qu'il est censé faire donc voilà ça s'utilise assez libre elle cette ça s'utilise assez simplement ah ça récupère les mouse events d'accord ok ok mais par contre ça a pas l'air de super fonctionner quand même bref ça permet d'avoir des, des interfaces plutôt riches et je trouve que c'est un plus. Donc moi je l'utiliserai pour mon petit euh, DinoSe interactif où euh, on pourra aller faire un certain nombre d'actions sur le menu sur le côté que je vais dessiner. Euh, j'avais utilisé, je ne sais plus, euh, la librairie que j'avais utilisée. Et celle-ci est quand même plus jolie et plus simple en plus à l'usage de ce que j'ai vu. Donc c'était pas mal. Salut Tregui Bah ben voilà, je suis allé beaucoup trop vite aujourd'hui. Je, euh, je voulais pas trop perdre de temps parce que j'avais peur d'enchaîner de, euh, tous les, les petits exemples là. Euh Surtout que j'en avais plein d'autres, notamment euh, issus d'Olivier. Mais j'ai pas eu le temps de monter la, v, la VM, en fait. C'est là où j'ai merdé. J'aurais dû monter la VM de OS pour vous la montrer de manière plus concrète. Et, et je les connais. Alors, ah, peut-être qu'ils ont une version Docker, ceci dit... Non, peut-être pas. Non, ça serait complexe. Hein. Non, je dis des bêtises. Une version avec le tout, tout, Non, Avec du FreeBSD et puis une partie UI. Non, non. Euh, Il ouais, faut vraiment, vraiment que je prépare les... Il vm pour vous montrer tout ça voilà après on a montré le petit tricks, mon avis sur la pédale del gâteau <laughs> ah, je vais vous poser une question est-ce que ça atterrit ouais non, donc vous vous sachiez que là actuellement sur ma sur ma console de contrôle du chat, j'ai un message de Sebi qui visiblement est, est passé dans le, le mode de 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 contrôle de Twitch qui refuse de mettre dans le chat. C'est l'automode. L'automode qui t'a bloqué. Donc je vais faire un, un hello, puisque comme ça tout le monde verra le message. Voilà. Donc j'ai rajouté le terme qui l'a bloqué. Alors. Ah non il a effacé le message. Ouais, le pédale était censuré. Ouais, C'est surréaliste. Donc il n'y a évidemment aucun, on ne vous pose pas la question. J'ai beau dire que je que je diffuse en français que mon compte est en français euh, visiblement le dictionnaire il n'a pas le mot pédale. C'était ça. C'était le mot pédale qui était censuré. Ouais, donc en fait, il vous la à... même si j'ai fait hello, ça a autorisé le Vous n'avez pas vu le message de Sébi dessus. Enfin bref. Mon avis sur la pédale d'El Gato, ben bah, écoute. Hop. J'ai lu tout, tout, tout et son contraire. C'est pas du tout là que je voulais aller, mais. Euh, voilà. Donc vous voyez de quoi on parle C'est de cet objet. Donc c'est Elgato qui fait le Stream Deck, comme celui que j'ai sur le, sur le bureau, qui propose le Stream Deck Pédale. Qui donc consiste en ce gros bloc-là, que vous voyez, qui euh, comporte. Euh, en fait trois zones sur lesquelles vous pouvez appuyer avec votre pied, là, les deux, deux pédales assez visibles sur les côtés, mais aussi la partie centrale, et ben, d'utiliser le logiciel Stream Deck derrière pour déclencher tout ce que le Stream Deck s'est déclenché. Euh, quand je précise ça, c'est que ce n'est pas uniquement pour faire du, du stream. Ça peut avoir des usages. Alors pour moi, ça peut avoir des usages. Euh, oui, oui, c'est des trucs qui existent dans le monde de la musique. C'est là-dedans que j'ai pensé tout de suite en termes d'usage. Euh, les pédales de de changement d'un son éventuellement par exemple en mode MIDI si vous êtes un instrument là ou euh, vous êtes en train de je sais pas quand je suis en train d'enregistrer par exemple avoir une pédale qui permet de faire un, un stop d'enregistrement un start d'enregistrement un rewind pour repartir au début de ce que je suis en train d'enregistrer euh, sans me prendre la tête le clavier un machin c'est un truc ça peut être utile euh, on peut aussi euh, alors là euh, ça veut dire que vous pilotez l'ordinateur donc euh, c'est pas comme l'exemple que tu donnes là mais effectivement euh, euh... Ah mais c'est un truc de fou. J'ai à nouveau, à nouveau eu une censure sur un message de de Goose. Bah, ça, du coup, ça l'autorise. Faut que je le fasse à chaque fois alors. Ça va pas enregistré Génial. Alors effectivement, on peut coder <laughs> avec un tapis de Dance Dance, Dance, Dance Revolution. C'est ça le DDR dans un... Dans le message de, de Scrally, mais oui, pourquoi pas? Après tout, euh, euh, ce, que, ce que je vois derrière pour interagir avec euh, le logiciel Stream Deck et tout, c'est il y a aussi euh, BitCompanion que je vous avais montré à une époque qui est compatible, qui permet d'avoir un site web ou qui permet d'avoir une API. À partir du moment où vous avez quelque chose qui peut agir, euh, le Dance Dance Révolution, par exemple. J'ai déjà vu les trucs, soit qui récupèrent le tapis d'origine, soit un, un truc en do-it-yourself. Ça envoie des événements euh, programmables sur l'ordinateur. L'ordinateur, vous fait tourner un plugin spécial de Beat Companion. Ça part dans le, dans le Stream Deck et ça peut déclencher n'importe quel macro, y compris quelque chose pour du code. Pour du code... Hein. Pour du code euh... Salut et Voilà. Charles, il y avait super longtemps quand ne pas vu... Euh... Mais non, non, pour euh, effectivement, ça peut... Alors, ils n'ont rien inventé avec ces pédale, c'est juste qu'ils ont fait une pédale fabriquée par eux, compatible avec leur logiciel Stream Deck. Mais des pédales, vous en avez donc on a dit énormément dans le monde de la musique, les pédales MIDI servent à des contrôles d'instruments, ça peut répliquer les, les pédales de contrôle d'un piano si vous êtes sur un synthé. On peut avoir l'exemple qu'a cité Goose où on peut piloter euh, avec une pédale, euh, on peut piloter un iPad euh, avec un logiciel par exemple de gestion de, de partition. Pour un musicien euh, qui a sa partition sur l'iPad, il passe de page en page avec. Euh, on peut avoir, euh, on peut avoir euh, un Sebi qui fait des lives où euh, il supprime des pods dans euh, Kubernetes avec euh, une pédale, mais maintenant il fait ça avec l'esprit, avec, euh, avec son contrôle mental de, de son ordinateur. Donc euh, il est au-delà. Mais euh, oui, oui, il y a plein, plein, plein d'usages. Ah <laughs> Et donc, euh, Sebi tente une fois de plus, tac Mais je crois que j'ai eu le temps de cliquer assez tôt, ton message va passer. Donc même pédale avec des points au milieu, il n'a pas voulu non plus, c'est un truc de fou, hein Et je comprends pas, à chaque fois, je rajoute le terme et ça vous le bloque à nouveau, c'est quand même surréaliste. Mais oui, oui après, des, des pédales de contrôle d'effet pour guitare et basse et autres, ça existe aussi depuis des années. Mais c'est le fait qu'ils aient cumulé. Et honnêtement, euh, après, euh, je suis le premier à être fan du do-it-yourself. Après, j'ai fait des bricolages et j'ai vu des, des bricolages qui cherchent à faire un stream deck. Maintenant que j'en ai acheté un, la fabrication, ils se foutent pas de notre gueule. C'est quand même un super produit. Il y a aussi leur logiciel derrière, je trouve qu'il est bien foutu aussi. Ils le font encore évoluer. Là, j'ai vu qu'ils avaient rajouté toute une couche de contrôle par exemple pour Discord. J'ai parlé de ce qu'on pouvait piloter avec le stream deck et dans Discord mais ça peut être intéressant aussi. Non tu vois, Pédalo c'est passé tu vois. Pédalo ça passe. Pédale ils veulent pas mais Pédalo ils veulent pas. Bon. Et ouais je pense que les produits c'est quand même des produits c'est de la bonne cam. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Bon, après on a la pâte. Moi là pour l'instant j'ai pas déjà le, le stream deck si je vois bien là, pour les lives et tout c'est génial. Euh, j'ai commencé à l'utiliser pour avoir des raccourcis de certains trucs. Donc il faut que je me fasse un deuxième profil quand je l'utilise. Il euh, y a plein de trucs que j'ai pas envie de chercher ou de relancer. J'aime avoir un, un bouton pour le lancer. Un truc tout con, mais euh, la calculette de macOS, j'ai un bouton pour la lancer sur le Stream Deck à portée de main. C'est vite fait. Hein, ça va encore plus vite. J'utilise beaucoup. J'ai un raccourci qui me lance le. Euh, ça y est, maintenant que je cherche le terme, le, le moteur de recherche intégré. Euh... Voilà, Spotlight. Voilà, j'ai un raccourci qui lance euh, Spotlight. Euh... Je veux la calculatrice, je tape Calc, ça me lance Calculator et puis terminé. Mais euh, voilà, le fait d'avoir un bouton qui est sur le coin, le coin qui est juste devant mon clavier, ça, ça va plus vite. Euh, dans, dans les usages, je sais que par exemple, euh, euh, certains, certaines personnes qui font des lives, soit sur YouTube, soit sur Twitch, peu importe, euh, le fait d'avoir ce contrôle-là leur permet, par exemple, d'avoir un changement de scène s'ils si ont plusieurs caméras. Pour garder un dynamisme sans pour autant qu'on les voit. Ça se voit hein, quand je mets la main, j'ai tendance à regarder, on voit mon bras qui part sur le stream deck. Euh, si vous avez euh, le pédalier de contrôle, ça peut faire un truc plus sympa et plus pro. Donc ça peut, euh, voilà, ça peut faire des choses. Euh, pourquoi pas, hein, Pourquoi pas. Il y a un plugin VS Code pour le Stream Deck. D'accord. D'accord, ok. Donc c'est euh, le, le Stream Deck qui balance euh, des infos. Euh, sont euh, compréhensibles par euh, VS Code. Ah, je connaissais pas, tu vois. Stream Deck pour Visual Code. Bah, D'accord. Ok. Ouais, tu peux te mettre des... Bah, Après, euh, du coup, euh, tous ces plugins pour Stream Deck, euh, ça revient à avoir un clavier euh, de, de macro. Hein. Si vous avez un clavier avec des macros, c'est pareil. Hein. C'est le même genre de truc. Sauf que honnêtement, bah, je trouve que le matos, c'est le logiciel étant bien fait. Euh, voilà, ça fait un bon logiciel et un bon clavier de macro, pourquoi pas hein. Oh Yanker Ça fait plaisir. On, justement, on voulait de tes nouvelles. Je sais que comme moi, tu as traversé le Covid d'une façon pas du tout asymptomatique et que ça t'a bien secoué. Eh bah, ben écoute. Un téléprompteur, tout à fait, tout à fait, Scrali. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais ça peut être sympa. Ben, C'est un peu le même principe quand on parlait là, tout à l'heure quand Gouz évoquait euh, un, un musicien de l'opéra qui avait un iPad et il y avait une pédale au sol pour passer les pages de sa partition. Ben un prompteur, on peut avoir un truc pour euh, accélérer le défilement, le ralentir ou switcher carrément une page. Euh, ou... ça, ça peut être vachement bien et ça, effectivement, ça te permet de garder le focus euh, ton regard sur la caméra avec ton prompteur juste derrière et, euh, et ça te permet de garder le, le côté vraiment pro du, du truc. Ouais, ouais tout à fait. Tout à fait, pas bête. Pas bête, pas bête. Bon, moi j'en suis resté à, à, à l'arrivée de, de, de Yanker. J'espère que tu as reçu aussi le, le petit colis qui a transité, qui a traîné longtemps chez moi, qui est arrivé de chez Kongduino. Le petit colis rack. Pour qu'on fasse un peu du LoRa, il n'y a pas de raison. Je pense que ça fera l'objet aussi de, de live coding, tout ça. Ouais, trois semaines de galère, ouais. ouais, ouais. Et le grog au Chouchen pour trois mètres d'aplomb. Il y a que ça de vrai, T'as bien raison. Pas plaisanter avec la santé. <laughs> Hop, on va revenir. On va vous rappeler que vous soyez sur Twitch ou sur le replay sur YouTube que j'essaye de poster relativement rapidement dans la journée, si possible. Euh, bisous box qui ne pouvait pas regarder l'émission aujourd'hui, je vais essayer de te faire ça. Euh, N'hésitez pas à vous abonner pour juste simplement savoir quand je démarre un live ou quand je poste un replay. Je gagne toujours rien. Je vous, je vous referai. Je, ça n'a pas bougé les compteurs, mais je vous referai pour que vous le voyez de vos yeux. J'ai bien désactivé toutes les pubs. Normalement, à part celles que je ne peux pas désactiver au début, que vous pouvez vous choper de temps en temps. Normalement, j'ai tout désactivé. Vous n'êtes pas censé avoir de pub quand vous êtes sur cette chaîne et sur ce live. Les survivants du Covid, ouais, c'est pareil. Je sais que Lolo aussi a bien, bien pris. C'est ouais, ouais, ouais. Ne jouez pas avec ça, protégez-vous. Les gestes barrières c'est pas pour rigoler. Le masque c'est pas pour rigoler non plus. C'est pas, pas une plaisanterie. Vous pouvez traverser le Covid sans symptômes, mais si vous voulez choper, je vous jure que moi j'étais pourtant deux fois vacciné, plutôt en forme et tout. J'ai pas encore tout tout à fait récupéré. J'ai un de mes jeunes collègues tout à l'heure aussi qui a passé une semaine terrible. Je m Mon audition de temps en temps, j'ai mes oreilles qui se bouchent encore et je suis plus vraiment enrhumé, mais ça me le fait à intervalles réguliers. Donc il faut que je décompresse. Et ça, ça ne me le faisait pas avant. Donc j'ai plein de petits trucs comme ça. Oui, je sais que bah oui, Lolo est encore en arrêt parce qu'il n'a pas tout récupéré. Voilà, bon, tout est passé quand même, là, ça y est. Mais ça a mis ouais, presque trois semaines quand même à passer. Ouais, bah, je te souhaite de te remettre que tes poumons aillent mieux. Trégui, c'est quoi ton micro Alors mon micro, c'est un Shure SM7B, je ne dis pas de bêtises. Je vérifie. C'est bien un Shure SM7B pour me permettre de faire un peu d'ASMR. Non. C'est parce que j'adore ce, ce, ce micro qui avant j'utilisais un UM1 Bird, qui était très bien aussi, directement un micro USB. Je le conseille si vous démarrez, vous ne prenez pas la tête avec des budgets de fou, ça marche super bien. Mais là j'ai eu envie de me faire plaisir avec un vrai micro et la qualité, je le sens. Euh, je suis évidemment une grosse feignasse et j'ai pas du tout fait les prises de champ que je voulais tester avec parce que ça marche super bien ici euh, pour m'enregistrer aussi. Et euh, ouais, et bien j'espère que la qualité s'entend. Et encore, euh, je passe, je vous avais montré euh, par un. Euh, J'utilise Audio Hijack pour mettre un petit peu de traitement dessus parce que je suis obligé de filtrer. J'ai un. J'ai un parasite, j'ai une alimentation sur le bureau, évidemment, sur un de mes câbles super bien rangés qui passe au mauvais endroit. Et j'ai un petit buzz électrique quand même de temps en temps. Il y a un truc qui, qui parasite le, ma, ma prise de son. Je ne sais pas si c'est si le câble du micro ou si c'est la, la Scarlett en, en carte audio qui, dé, qui a ce souci. Mais euh, oui, ma voix suave. Mais voilà, je, je voulais que la qualité audio de, de mes émissions, de mes lives, et j'envisage de refaire peu, peut-être des petits podcasts purement audio aussi. Euh, je trouve que c'est, enfin, à titre personnel, le truc qui me fait fuir sur un podcast, une vidéo, un, un, quoi que ce soit de produit, de contenu, euh, si l'audio n'est pas bon, ça va me fatiguer et ça va me faire décrocher l'image, je dis pas que c'est pas important, je me suis fait plaisir aussi, c'est un, un petit Sony ZV1 que j'utilise pour l'image. C'est pas forcément, j'ai pas optimisé, j'ai pas vous voyez, par exemple, j'ai lancé le live, j'ai même pas pris le temps de je vais le faire. Voilà, normalement, je mets un peu de light, j'en ai qu'une, il faut que j'en rajoute une deuxième là. Je vais bientôt avoir un vrai fond d'écran. Merci Lolo, j'ai fait le tour des références et c'est <laughs> c'est ta référence à toi qui était le meilleur rapport qualité-prix au final, donc je pense que je vais prendre celui-là. Euh, mais l'audio, l'audio, franchement, euh, soignez votre audio par tous les moyens possibles. Euh, c'est vraiment le truc qui va accrocher ou faire fuir. sûr. Alors, perso, j'aime pas les micros qu'on voit à la caméra, donc j'avais opté pour le micro Elgato. Ouais, mais ça, après, c'est moi qui ai monté le système ici. Euh, euh, donc là, j'ai mon écran là juste devant. J'ai juste au-dessus, j'ai la caméra montée sur un pied euh, qui est raccroché. Au, au poteau qui sert à l'accrochage des, des, des de mes écrans et du, du Mac là sur le côté et puis là j'ai un coin où j'ai une, une étagère donc j'ai fixé un bras articulé allez, vous savez les bras cheap là de Amazon d'ailleurs ils il se démontent là ces temps-ci donc il arrive sur le côté et pour avoir de l'audio potable je le fais arriver là mais euh, objectivement attention vos oreilles voilà, si je faisais bon, j'ai pas la place sur le côté mais si je le poussais je me mets à la même distance si je me mettais là vous m'entendez encore Moins bien peut-être parce que j'ai pas poussé le gain, mais vous m'entendez encore. Donc je pourrais faire ça. Ou alors je pourrais... Je ne sais pas si ça va passer. Alors, vous voyez encore le bout du micro, mais je pourrais faire un truc comme ça, voilà. Mais après, ça me gêne physiquement autour de... du bureau. Donc vous avez dû en prendre plein les oreilles, je m'excuse. Voilà, je je m'en fous que ça se voit à l'écran. Vous pouvez penser que je suis un kéké -ké du micro si vous voulez, ça ne me dérange pas. Je l'adore mon micro. <tousse> <tousse> Une image de mon setup Non, ça n'est pas possible, madame. Je ne peux pas faire une image de mon setup parce que mon bureau est une horreur. <laughs> je ne sais pas si ça marche comme ça, sans le rebrancher. J'avais eu fait... Euh... Attention, je vais tenter un truc, sans les mains. Vous êtes prêts Hop. Est-ce que ça passe Oui. Connexion à l'ordinateur, oui. Alors, est-ce que je l'ai basculé Non. Euh, est ah, je ne l'ai pas refait dans mon setup, si c'est ça. Voilà. Alors, on va tâcher de vous faire ça. Voilà. Voilà mon bordel. Donc là, vous voyez tout mon boxon avec mon clavier, l'écran principal. Sur le côté droit, l'écran secondaire, et vous voyez le, le Mac là, qui est posé là. La caméra juste au-dessus, la lumière juste derrière. Le bras là qui est coincé sur l'étagère. <laughs> Merci Lolo. <laughs> Donc voilà, et après derrière, quand je vous parlais du poteau, c'est ce, ce genre de chose là, là qui est fixé en dessous. Et puis j'ai des bras là, j'en ai même un drabe. Donc voilà. Je suis une catastrophe de setup, voilà, pour que vous puissiez en profiter, je vais même... On va faire ça. Voilà l'horreur. Voilà, voilà le boxon du bureau. Quand je dis boxon, les étagères surchargées. Ici, c'est dégueulasse. Les instruments de musique cachés derrière. Et ici le bureau à démo que j'utilise plus Alors voilà, encore du bordel oui une game watch et le bureau à boxon avec l'imprimante qui ne sert plus depuis un moment voilà je m'étais dit que je vous montrerai jamais l'horreur mais c'est trop tard c'est fait c'est de la faute de scrally voilà les conditions dans lesquelles je suis Alors qu'est-ce que vous avez vu passer dans les choses top secret Alors, je prends dans l'ordre. Euh, Scrady qui dit sympa le Sony. Sympa le Sony. Ah oui, le, la, le, mon appareil, ouais, Mon appareil photo euh, caméra. Ouais, le Sony, ouais, c'est un super. Hein. Je regrette pas ce, cet achat. Il y aurait 2 trois bricoles qui auraient pu être mieux notamment euh, la législation européenne qui oblige de distinguer ce qui est appareil photo de caméra, ce qui fait que... J'ai des vidéos d'une qualité de dingue. Je voudrais par exemple enregistrer mon groupe avec. Mais la législation européenne exige de distinguer ces deux catégories. Alors j'imagine pour des catégories de taxes et autres. Et du coup, il y a un bridage. Au bout de 30 minutes, je suis obligé de couper la vidéo. Enfin, elle se coupe et je suis obligé de la relancer. Donc je ne peux pas filmer plus de 30 minutes à la fois. C'est super sympa. Hein Donc voilà pour le Sony. Euh... Je suis à 3 sur 5. Alors le kéké du micro, je vais avoir droit évidemment à. Un clip Twitch, c'est très bien. Euh, 3 sur 5 sur l'échelle de bordel de Sebi, euh, je pense que c'est déjà, déjà pas mal quand même. Qu j'en ai rangé ce week-end un peu parce qu'il y a des choses que je ne retrouvais plus, donc il fallait que je gratte. Mais c'est pas possible. Ce bureau là, au départ, quand j'avais, ben, il y a un an, il y a un an, j'avais intégralement nettoyé. Le bureau de démo était nickel. Sous l'écran, c'était propre et tout parfait. Et ça s'est empilé évidemment. Là. La nature est en horreur du vide, le bordel s'y est installé. Alors, je te confirme, le mien a plus de très... Je confirme, le mien a plus de bordel que le tien, pas en volume, mais disons que j'ai trois types de bordel superposés au lieu de deux. D'accord. Et encore, il y a le côté musique qui, qui est caché derrière que je bascule à chaque fois que j'ai besoin de faire de la musique. Donc, il y a la Game Watch, hein, bien sûr. Ouais, ouais j'ai la... la Game Watch celle-ci là qui a les, les deux Mario. Euh, aucune bouffe sur le bureau alors non il n'y a pas de bouffe d'abord parce qu'il n'y a pas la place j'ai ma, ma petite cour de Red Hat hein. merci Sebi d'ailleurs j'ai soif qui me permet de penser à boire un peu régulièrement c'est important, buvez merci Sebi Bibox euh, va te remercier, j'étais à l'heure et tu as réussi à me faire déborder, c'est parfait euh... Screlly qui doit y aller pour une réunion, et eh bien écoute euh... ciao ciao, nickel Alors, Charles, toi, tu dis 6 sur 5 parce que c'est vraiment bordélique Non, non, j'ai été pire, je t'assure. Non, non, on peut faire mieux croisant. C'est bien aussi, effectivement, il sait ce que ça veut dire. Non, non, on peut faire bien, bien pire. Ah, mais là, le souci, c'est. Euh, ouais, J'aurais dû profiter de vous monter les. C'est la soupente qui me pose problème, la carrée derrière, qui m'empêche. Euh... Donc, là, j'ai trouvé. Je vais essayer une solution à base d'écran vert rond pour m'amuser avec les fonds, pour faire un certain nombre de trucs. Euh, ça m'empêche sur le bureau sur le côté, je voudrais bien avoir des fois un retour de moniteur, je peux pas parce que j'ai pas la place. Euh, ça m'empêche de décaler mon moniteur à fond sur le côté comme je voudrais, c'est pas terrible. Donc euh, ouais, ouais. Ah mais elle a carrément une... c'est pas une réunion dans 10 minutes, c'est depuis 10 minutes. Ah ben, toutes mes excuses chez OVH, c'est de ma faute. Je suis désolé. Horatio, je suis désolé, ratio, je suis désolé si, euh, si, si Aurélie était à la bourre en réunion. Ah, ton bureau qui est à 6 sur 5. Ah, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais non, 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 j'ai euh, commencé ce week-end parce que j'en pouvais plus, parce que ça m'empêche de faire des trucs. Il y a la propension à, à procrastiner où je suis très balèze, très fort comme certains d'entre vous, mais euh, il y a aussi le fait que c'est quand même trop le boxon. Il faut, il faut que j'arrange ça. La marque d'eau open source, ouais. <laughs> ouais, notre sujet. L'eau devrait toujours être open source. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bref, bref. Eh bien écoutez, euh, moi je n'ai pas une réunion dans 10 minutes, mais euh, il faut reprendre le boulot et entre-temps il faut vite que j'aille chercher de la bouffe. Vous avez vu qu'il n'y en avait pas sur le bureau, donc il faut bien que j'aille la chercher. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, Rendez-vous ce soir. Alors, euh, je ne vais pas m'engager sur l'heure. Je pense que ce sera aux alentours de 21h. Où euh, on lancera un petit live coding, euh, où on va faire ce soir du go. On va partir de l'article d'Aurélie euh, sur... Euh, le petit serveur en Go, le serveur qui permet d'avoir une API REST avec Swagger, si je me rappelle bien. Donc on fera ça, on verra s'il y a des soucis. J'espère que Benjamin pourra se connecter puisqu'il a eu des, des galères. Donc on verra si à cette étape j'ai les mêmes soucis. Et puis on verra si c'est un souci de compréhension de l'article ou si y a un truc à rectifier dans l'article. Et si on a le temps, et ben on ira jusqu'au bout. Et ce serveur, je l'intégrerai dans le projet dino 16, pour que le petit Dino que je vous ai montré en CLI. Puisse aller piocher euh, une, une série de quotes au hasard en fera une API là-dessus. Voilà, sur ce, vous entendez peut-être ronfler la mascotte juste derrière, elle ronfle tout ce qu'elle peut. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, on va se quitter là-dessus. Et à très bientôt. Ciao ciao